Bon, vous réclamiez une femme tout à l'heure, aussi, une Sandrine Duchesne. Une polytechnicienne succède à un polytechnicien. Sandrine Duchesne a été à la direction du Trésor, était conseillère du président de la République, et aujourd'hui elle exerce des fonctions de dirigeante au sein du groupe AXA comme secrétaire générale d'AXA pour la France, après avoir été directrice des affaires publiques. Sandrine Duchesne. Merci beaucoup Ludovic, bonjour à tous, très heureuse d'être là, et puis merci beaucoup à M. Jean Launay pour cette initiative qui est bienvenue. Alors moi, je suis censée vous donner un point de vue business et qui ne sera pas un point de vue de start-up. Hein, donc j'espère ne pas être totalement décalée dans cette assemblée. Et le point de vue d'une industrie, on va dire, traditionnelle, hein, qui est celle de l'assurance. Donc vous devez vous demander au terme de ces deux premières heures, mais que vient faire l'assurance dans cette histoire de blockchain? Donc c'est ce que je vais essayer de vous expliquer. Peut-être deux remarques avant de lancer notre petit film. La première remarque, c'est que moi, je suis frappée par la vitesse de propagation du phénomène blockchain. C'est-à-dire qu'il y a quelques mois, c'était encore une technologie inconnue, on va dire masquée derrière le Bitcoin. Et depuis quelques mois, il me semble que beaucoup d'acteurs économiques de régulateurs s'intéressent de plus en plus au sujet. Je voulais même citer par exemple le papier du Fonds monétaire international du début janvier, donc pour montrer quand même qu'il y a une communauté qui est en train de se former. Et la deuxième remarque que je veux faire, c'est que ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard parce qu'il me semble, et il nous semble chez AXA, qu'on est vraiment face à une vague technologique importante, avec un potentiel de disruption, un potentiel d'innovation également, et que finalement, si on veut faire une analogie, il me semble que blockchain est finalement aux transactions ce qu'Internet a représenté pour la circulation de l'information, donc quelque chose de majeur pour le fonctionnement économique. Donc on a réalisé un petit film qui pour vous détendre. Je m'excuse par avance auprès des grands spécialistes de blockchain qui sont dans cette salle, parce que c'est un film qui n'est pas un film de spécialistes, qui était juste pour illustrer un peu l'affaire du point de vue d'AXA. Voilà, donc on va peut-être passer le petit film et puis je ferai quelques commentaires à l'issue. Souvenez-vous, d'étranges informaticiens vantant les mérites d'un réseau censé révolutionner notre société. Hier, l'Internet promettait de supprimer la distance entre les individus. Aujourd'hui, la blockchain tient une autre promesse, tout aussi révolutionnaire. Celle de se passer d'intermédiaire au quotidien. Explication. Imaginons la blockchain comme un gigantesque registre de comptes où chaque page est un bloc. Des individus tout autour du monde, appelés mineurs, se chargent de valider et de répertorier dans chaque bloc toutes les transactions ou contrats passés. Une fois un bloc achevé, il ne peut subir aucune modification, à moins que le mineur arrive à un consensus. Bonne chance. Ainsi, la blockchain permet d'enfermer à jamais une donnée dans un réseau public tout en garantissant sa sécurité. Personne ne pourra la modifier ou la supprimer sans que l'ensemble du réseau ne soit alerté. Vous ne voyez pas l'intérêt? Nous, si. Vous êtes un artiste amateur, fier de ses compositions? Inscrivez votre création dans la blockchain. En quelques secondes, votre œuvre est datée, sécurisée et attachée pour toujours à votre identité virtuelle. Un smart contract pourra même générer automatiquement des revenus à l'ayant droit. Pour un État, le bénéfice peut être tout aussi important. Au Ghana, nombreux sont les propriétaires sans titre légal de propriété. Leur capital ne peut donc être apporté comme garantie à un prêt. Un frein au développement auquel la blockchain peut remédier. De simples coordonnées GPS inscrites sur le réseau permettront de générer un cadastre infalsifiable et accessible à tous. Et pour l'assurance, après un accident à l'étranger, un voyageur est transporté dans un hôpital local pour y être soigné. Avec la blockchain, plus de paperasse. Priorité aux patients. Les informations stockées sur le réseau permettront de l'identifier rapidement, de récupérer les informations sur sa couverture maladie et pourquoi pas à terme son dossier médical. La blockchain pourrait être la prochaine révolution. Ses possibilités sont infinies. À nous de nous y préparer. Merci beaucoup.
Donc, je vais faire deux séries de commentaires. La première sur l'enjeu pour l'industrie de l'assurance de la technologie blockchain. Et puis, puisqu'en fait, personne ne veut parler de régulation, mais en fait, tout le monde en parle. Moi aussi, je vais m'essayer à une adresse vis-à-vis du législateur et du régulateur. Alors, pour les assureurs, en fait, si on regarde de près tout ce qui vous a été dit depuis deux heures, ben, on retrouve quand même beaucoup de termes, de concepts qui sont au cœur de l'activité des assureurs. La notion de confiance ou de tiers de confiance, la notion de mutualisation qui nécessite de faire intervenir un très grand nombre de transactions et d'assurer et de faire en quelque sorte jouer la loi des grands nombres, l'importance du contrat évidemment dans l'assurance, et ce contrat il peut être de long terme si vous pensez par exemple au contrat d'assurance vie, et puis enfin la nécessité d'exécuter ce contrat avec une grande sécurité. L'importance de conserver et d'assurer l'intégrité des données de nos clients. Donc tout ça, évidemment, et surtout des données sensibles, tout ça, évidemment, résonne de façon presque magique avec les possibilités de blockchain. Alors je pense qu'aussi d'emblée, il faut compléter le paysage parce que pour nous, les assureurs, il n'y a pas seulement la blockchain dans le paysage, il y a tout un ensemble de mutations technologiques, finalement, auxquelles nous faisons face en même temps. Prenons par exemple le big data, prenons également la vague des objets connectés, des algorithmes, les processus d'automatisation, tout ça arrive en même temps et à grande vitesse. Et ce que je veux dire par là, c'est que, comme à chaque fois que dans l'histoire, ces vagues technologiques d'ampleur se produisent, eh bien, il y a des incertitudes très fortes. Et c'est vraiment la situation actuelle, c'est-à-dire qu'il va falloir faire des choix d'investissement, des choix de technologie. On va sans doute se tromper, hein. Il va falloir faire des essais et probablement aussi des erreurs avant que tout ça se stabilise et arrive à rythme de croisière. Alors, je vais prendre un exemple. Vous savez par exemple que certains assureurs, c'est le cas d'AXA mais pas que, sont engagés dans des partenariats avec des acteurs de l'économie collaborative, avec des, par exemple BlaBlaCar ou des plateformes d'échange d'appartements. Et donc ces modèles économiques finalement commencent juste à arriver en production. C'est très très récent ces partenariats-là avec les plateformes. Et au même moment où nous commençons à les mettre en œuvre, eh bien, on nous dit que ces modèles-là, finalement, vont peut-être être remis en cause assez rapidement par l'irruption de la blockchain. Donc, pour nous, est-ce qu'il faut continuer dans cette voie? Est-ce qu'il faut adopter d'autres voies? C'est une vraie question et c'est vraiment des choix auxquels nous sommes confrontés en univers incertain. Alors, c'est vrai que, pour l'instant, quand on regarde les travaux sur la blockchain, je vais dire que les banques ont peut-être démarré un peu plus tôt que les assureurs, sans doute parce qu'elles ont été amenées à le faire par le développement des monnaies virtuelles. Mais du côté des assurances, ça vient. L'intérêt est plus récent, mais grandissant. Il y a des exemples de prise de participation dans des start-up. Il y a des travaux de place qui commencent à Paris. Il y a aussi, à notre connaissance, quelques prototypes. Alors, c'est pas très développé, mais ça commence. Moi, j'ai en tête, par exemple... un exemple d'assurance pour le remboursement automatique des vols en cas de retard d'un avion, un truc complètement nouveau mais qu'on trouve sur blockchain, et vous tapez insurette et vous tombez dessus et c'est très, très facile de souscrire et d'obtenir une police d'assurance. Alors, de façon plus prospective, je vais faire un peu la balance des risques et des opportunités. Bon, les opportunités, vous les voyez, je crois qu'elles sont assez claires. Qu'est-ce que ça signifie pour nous d'aller vers des technologies de type blockchain? Mais d'abord, ça signifie plus de sécurité dans la sauvegarde des données des clients, des données sensibles. La protection contre le risque cyber, très important pour nous, c'est le risque majeur en termes de risque pour les assureurs, c'est peut-être plus que le risque financier. Donc très important. La lutte contre la fraude aussi, bien sûr, ça existe. Et donc, il y a des possibilités de ce côté-là. Il y a également des coûts de transaction réduits,
forcément, puisque les coûts sont moindres, et donc des possibilités de répercuter ces coûts de transaction réduits sur les primes de nos assurés, c'est pas négligeable comme impact. Une qualité de service accrue vis-à-vis des clients, parce qu'il y a la possibilité de faire moins d'erreurs matérielles, moins d'erreurs humaines, d'avoir une exécution plus rapide des contrats en cas de sinistre, très important aussi dans la qualité de service des assureurs vis-à-vis de leurs clients. Et il y a enfin la possibilité de développer des nouveaux services, des nouveaux produits, si on fait notamment le lien avec la voiture connectée, la maison connectée, tout ça arrive et commence à faire système. Donc en résumé, nous, ce qui nous intéresse dans blockchain, nous les assureurs, c'est pas du tout la dimension financière. On a beaucoup parlé des modèles virtuels, mais c'est pas tellement ça. C'est vraiment la dimension technologique. Et dans cette dimension technologique, il y a deux facteurs. Il y a à la fois la dimension de registre infalsifiable, ça a été beaucoup développé et ça nous intéresse. Et puis il y a la dimension alors nous on appelle ça les smart contracts, mais on devrait dire contrat intelligent en bel et bon français. Contrat intelligent parce que, évidemment, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une chaîne logique. S'il se passe tel événement, je fais ça. Et donc, pour un assureur, la transcription, c'est si j'ai un événement qui produit un sinistre, alors je déclenche l'indemnisation, le rapatriement, l'assistance, etc. Et tous les services qui vont avec. Donc, c'est pour ça que nous commençons à y aller et à nous poser sérieusement la question des applications concrètes liées à blockchain. Alors, les risques, évidemment, vous allez me dire... Est-ce qu'il n'y a pas quand même quelques menaces? Si, on en est conscient. Est-ce que c'est une disruption majeure pour notre modèle économique? Sans doute pas, on n'aura pas du jour au lendemain toute l'assurance qui va être intégrée en mode blockchain, mais potentiellement, un certain nombre de pans de notre chaîne de valeur peuvent être concernés à un horizon plus ou moins rapproché. Ça, c'est la première idée. Est-ce que la décentralisation, vous voyez, c'est majeur dans le cas de blockchain, la décentralisation, est-ce que ça signifie la fin de la mutualisation, qui est quand même le socle de l'activité des assureurs? Nous ne le pensons pas non plus, mais nous pensons que la décentralisation va nous permettre d'améliorer, de rendre plus efficace une partie de notre chaîne de valeur. Par exemple d'automatiser les remboursements si on cherche un exemple et donc c'est une dimension qu'il faut concevoir, mais par ailleurs, et c'est très important, il n'y aura pas d'automatisation complète, c'est-à-dire que nous pensons que la dimension du service, la dimension du conseil, du devoir de conseil, qui est d'ailleurs une activité très régulée par le législateur, va perdurer et qu'on ne va pas pouvoir tout automatiser, et qu'il va falloir trouver un équilibre entre la technique, finalement, et l'humain, parce que finalement, blockchain, ce n'est qu'une technologie nouvelle qu'il va falloir apprendre à maîtriser. Je termine par les défis pour les législateurs et les régulateurs. Alors, j'entends bien Sébastien Soriano qui dit « rien », mais « rien », c'est déjà quelque chose, hein. Et donc moi, mon sujet, c'est de me dire qu'il va se passer quand même des choses à partir du moment où cette technologie va être intégrée dans des business traditionnels et d'industries traditionnelles, et qu'il va falloir se poser un certain nombre de questions. Le premier message que je voudrais passer, c'est qu'il est très très important, et vous l'avez fait déjà, mais de bien dissocier les monnaies virtuelles et la technologie blockchain, parce que à vouloir confondre les deux, on peut être conduit finalement à réguler peut-être excessivement. Alors c'est vrai que le bitcoin et les monnaies, les crypto-monnaies ont fait naître la crainte légitime de flux financiers et de caractère non maîtrisable de la lutte anti-blanchiment, c'est vrai que ça existe, et ça a conduit certaines juridictions à être extrêmement restrictives sur l'usage des monnaies virtuelles et par conséquent de la blockchain. Donc le message, si j'ai un conseil à donner ou un message à passer, c'est de bien dissocier les deux,
et de s'orienter plutôt vers des régulations, disons, souples. Deuxième idée, qui va réguler quoi et comment ? Ça, c'est une vraie question sur laquelle on n'a pas beaucoup de réponses pour l'instant. Dans le qui va réguler quoi, je crois qu'on retrouve des sujets qui ne sont pas propres à la blockchain, mais qui concernent plus généralement l'émergence du digital et du numérique dans nos économies. Nous, on l'observe bien pour l'industrie de l'assurance, c'est-à-dire que le champ du digital est tellement large que finalement, il traverse l'ensemble des régulateurs. Ça va du régulateur sectoriel, régulateur de l'assurance sur le risque financier, la protection du consommateur, mais aussi à d'autres régulateurs que sont par exemple la CNIL et le régulateur qui protège les données personnelles des clients. Et donc on voit émerger quand même quelque chose qui finalement n'a pas été prévu dans nos cadres de juridiction traditionnelle. On va avoir des sujets de concurrence et de level playing field, pour parler encore, employer encore un anglicisme. Et donc, alors c'est peut-être paradoxal de parler ainsi devant les parlementaires français, mais je crois qu'il y a une réflexion à conduire sur le bon niveau de régulation et qu'on a sans doute intérêt à avoir des régulations les plus harmonisées possibles au niveau mondial. Sinon, on va voir se créer ici et là des espaces d'arbitrage réglementaire. On est en train de le voir déjà sur le Bitcoin entre New York et la Suisse, par exemple. Donc ça, c'est un point d'attention qu'il faudra surveiller de près. Alors, ce n'est pas parce qu'on veut des régulations mondiales qu'il faut se priver de construire une stratégie d'influence et d'influence française. Et ça, nous y croyons beaucoup. Le comment réguler est plus spécifique à blockchain parce qu'il renvoie à la question est-ce qu'il va falloir réguler par la loi ou est-ce qu'il va falloir réguler par le code ? Et est-ce qu'il va falloir descendre jusqu'au code pour avoir un impact de la régulation ? Nous, notre intuition, c'est que oui, c'est vrai, il va falloir descendre jusqu'au code et que ça ne va pas être si simple. Et que même pour le régulateur et le superviseur, cela va ouvrir des espaces de supervision jusqu'alors non explorés, avec la possibilité de traiter assez différemment la mise en conformité de nos systèmes aux régulations, peut-être de les automatiser davantage. Et donc il y a tout un champ à explorer de ce qu'on appelle la RegTech, c'est-à-dire la régulation par la technologie. Je voulais juste signaler que les Britanniques me paraissent très avancés sur ce sujet et qu'il faudrait peut-être s'y mettre. Et pour finir, je pense que c'est un sujet donc nouveau où les partenariats publics-privés vont être très importants. Pour chercher ensemble les solutions, pour échanger sur les exemples d'usage, pour échanger sur les besoins de normalisation. Et donc je voulais saluer et envoyer le ballon vers mon collègue de la Caisse des dépôts en rappelant qu'il y a une initiative de place entre la Caisse des dépôts, les banquiers, les assureurs et d'autres acteurs pour essayer de faire émerger un espace de discussion et de réflexion sur la blockchain sur la place de Paris. Voilà, et terminer par une note d'optimisme en disant que dans notre pays, on a beaucoup de talents, on a des experts du chiffrement, on a des entrepreneurs, et donc moi, je ne vois pas la raison qui ferait que notre pays ne soit pas au rendez-vous de cette nouvelle technologie. Merci beaucoup. Voici vu le moment de la troisième table ronde, c'est la dernière avant la fin, donc on a cet enjeu de maintenir à la fois éveillé et pas trop impatient pour la suite. Comme on est pressé par le temps, je vais surtout les remercier mon protocolaire et le courrier, la ministre, et tous les représentants de la nation qui sont ici. En préparant cette introduction très courte, je le disais, mais finalement, la question à laquelle je dois peut-être répondre face à cette audience, c'est qu'est-ce que la Caisse des dépôts fait dans cette guerre ? Et la réponse m'a été apportée, malheureusement, un peu plus bas par Laure de la Robière, qui a dit quelque chose qui, chez moi, a résonné. Elle a dit à un moment, on ne peut pas être pour ou contre la blockchain, parce que la blockchain est. Depuis 200 ans, la Caisse des dépôts est.
elle a une autre caractéristique commune avec la blockchain, c'est quand on discute avec des collègues en interne sur la nature ou l'origine de l'institution, des gens très savants vous disent, moi je suis très jeune à la Caisse, ça ne fait que 4 ans, des gens très savants vous disent, la Caisse des dépôts est une institution sui generis. Et je crois que c'est assez similaire à ce qu'est la blockchain aujourd'hui. Donc voilà un premier lien. Le deuxième lien, il est plus historique, c'est la démarche qui nous a conduit à nous intéresser au sujet, dont je voudrais marquer quelques dates clés très rapidement avec vous, parce que, comme ça a été dit juste avant nous, par Sandrine, on est dans une phase d'accélération qui est phénoménale. Moi, la première lecture qui m'a été recommandée au printemps 2015, ça a été un rapport d'IBM qui s'intitulait « Device Democracy » et qui faisait un lien extrêmement intéressant entre ces sujets de Bitcoin, blockchain et les sujets d'Internet des objets, en démontrant que la décentralisation était inévitable pour gérer le changement d'ordre de grandeur auquel on ferait face en passant de 7 milliards d'humains connectés à des dizaines de milliards d'objets connectés, quel que soit le chiffre de la dizaine. J'ai rencontré Nadia en mars sur ses préoccupations et sur ses sujets, qui a porté à la réflexion son expérience et sa connaissance du monde bancaire. J'ai eu la chance ensuite de découvrir, lors d'une session de l'Orange Institute dans la Silicon Valley, à quel point les Américains étaient en train d'avancer à toute vitesse et d'investir massivement, ce qui posera des sujets de souveraineté. Puisque face à un système aussi autonome, aussi décentralisé et aussi indépendant que la blockchain publique du Bitcoin ou d'autres types de blockchain, finalement la seule réponse qu'un État puisse apporter, et ils l'ont déjà fait par le passé, c'est finalement de contrôler le système de l'extérieur en ayant la main, via leur juridiction, sur les champions de ce système. Et c'est une des lectures possibles qu'il faut avoir en tête sur le fait que plus d'un milliard de dollars d'investissement ont été consentis dans des sociétés dans ce domaine, dont une très grande majorité de ces fonds sont localisés sur une étroite bande de terre que vous connaissez, entre la baie de San Francisco et l'océan Pacifique. On a assez rapidement, au mois de juillet, j'ai la chance de rencontrer complètement par hasard Louison Dumont, donc ce jeune prodige qui, malgré ses 18 ans, tout mouillé, a 10 ans d'expérience en développement informatique. Et puis, nous, avec Nadia, nous réunissons une partie de l'état-major de notre institution en leur disant qu'il se passe quelque chose. On a dépassé le stade du buzz et du hype. 80% de ce qu'on peut lire dans la presse grand public est faux sur le sujet, dans les deux sens. Ça n'est ni une révolution qui nous mettra tous par terre dans les 3 ans qui viennent, et ça n'est plus un effet de mode. Et ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Donc, il faut absolument s'intéresser à ce sujet qui peut nous toucher à différents endroits et qui peut recevoir autant d'opportunités que de menaces. On est assez vite arrivé à la conclusion qu'il fallait le faire en mode expérimental et qu'il fallait donc du coup surtout pas le faire tout seul dans notre coin. Et c'est comme ça que cette démarche qu'on a présentée au comité de direction a été validée à l'issue d'un séminaire numérique organisé par Bernard Cotin qui est dans la salle. Et dans lequel, à la grande surprise de tout le monde, la totalité des intervenants extérieurs ont mentionné blockchain comme étant le phénomène majeur à regarder de très très près, ce qui a fini de nous décider de nous lancer. Nadia, maintenant, qui est donc à mes côtés, et ce qui nous permet d'aller respecter une totale parité dans cet exposé. Merci Philippe. Donc après l'introduction de Philippe, je vous ai expliqué en fait un petit peu ce qu'on essaye de faire dans l'initiative et avec qui on travaille. Donc on a effectivement lancé une initiative de place qui a été communiquée officiellement le 15 décembre dernier, qui regroupe à aujourd'hui 17 partenaires, puisqu'il y a des nouveaux entrants. Il y a alors plusieurs assureurs, AXA, qu'on a vu tout à l'heure, la Maif, Aviva, la CNP et plusieurs groupes bancaires comme la BNP, le groupe BPCE, CASA, la Banque Postale et la Poste qui nous ont rejoints il y a quelques jours, qu'on a désiré d'associer avec des spécialistes de la blockchain et des acteurs français de l'écosystème blockchain. On a entendu tout à l'heure qu'effectivement, il y avait peu de start-up dans le domaine, mais il y en a quelques-unes. Donc on va travailler avec Blockchain Solutions, vous avez vu tout à l'heure le fondateur Pierre Porto,
Pemium, qui est également présent, CELAMS, dont on a entendu un des fondateurs tout à l'heure, Nicolas Loubet, et Ledger, qui nous rejoint cette semaine également. Notre objectif, en fait, il est double. Le premier, c'est qu'on entend beaucoup parler de la blockchain, effectivement, mais qu'on ne sait pas très bien qu'est-ce qui va en advenir dans la réalité. Donc, notre premier objectif, c'est de mieux comprendre cette technologie, de mieux l'appréhender, et de mieux l'appréhender ensemble, parce qu'en fait, c'est une technologie qui vient d'une communauté qui n'est pas concentrée dans une société, une administration. C'est une communauté décentralisée par elle-même, qui a mis en place une technologie elle-même décentralisée, et qui nous semble important de pouvoir y travailler ensemble, et d'arriver à comprendre ensemble quel va être l'avenir de cette technologie, quelles sont ses limites, ses opportunités, ses menaces, et quels sont les services qu'on va pouvoir mettre en place, et quels vont être les impacts sur les modes et les produits en fait, et services des activités, surtout bancaires, financières et assurantielles. Pour ce faire, ce qu'on a décidé de faire aussi avec Philippe, c'était très important en fait pour nous, c'était que ce mix entre des grands acteurs bancaires, assureurs et également des start-up, et j'ai oublié des partenaires, et il y en a en ce moment, excusez-moi, on a aussi des partenaires scientifiques ou associatifs comme Croissance Plus, le CNAM, ou encore le pôle compétitivité finance innovation. C'est de mettre dans ce qu'on avait appelé au départ avec Philippe, mais en France c'est peut-être une connotation un peu particulière, dans ce bac à sable numérique, aux États-Unis on aurait dit sandbox, en France on aurait appelé ça bac à sable numérique, des collaborateurs opérationnels, métiers et de tout corps en fait de nos grandes entreprises, avec des développeurs autour de la technologie blockchain, pour essayer d'expérimenter des cas d'usage sous forme de POC ou d'expérimentation, dans un laboratoire que finalement on a appelé DoTank, et à côté de ça, de créer un think tank qui permette de réfléchir aux sujets transverses de la blockchain, qui nous semblent importants, des sujets d'éthique, des sujets normatifs, réglementaires, alors toujours autour de nos métiers quand même, principalement, mais également des sujets technologiques, d'infrastructures, de frameworks, des choses comme ça, et que ce think tank puisse parfois un petit peu confronter l'époque qui sont émergentes dans le temps, pour voir si à terme elles peuvent avoir une réalité d'implémentation dans nos entreprises ou dans le système économique. Donc aujourd'hui, on est 17 partenaires, on a commencé à travailler ensemble avec un démarrage qui nous a semblé quand même assez évident, c'est de mettre tout le monde au même niveau. Donc on est un petit peu à l'école de la blockchain en ce moment, avec 75 élèves inscrits pour le moment. On en est à la troisième session qui doit se terminer vendredi et qui dure 3 jours. Pour mettre tout le monde au même niveau, à la fois sur la technologie blockchain, Bitcoin, mais pas uniquement. C'est-à-dire qu'on a une journée d'ouverture sur d'autres technologies de consensus décentralisées comme Ethereum. Parce que l'idée, c'est de regarder tout ce qui se passe autour de ce sujet, et on est assez agnostique sur le fait que ça soit Bitcoin ou Ethereum, on ne rentre pas dans ce débat, on essaye de comprendre ce qui va se passer, de voir comment on peut adopter ces technologies. Et si on devait parler des régulateurs, on regarde un peu le temps, si on devait parler des régulateurs, on a été agréablement surpris d'être contacté par nos régulateurs qui sont l'AMF notamment, ou équivalent la Banque de France, également la CPR. On a également rencontré le Trésor et Bercy. Et donc, je peux déjà vous dire que l'AMF et la Banque de France, on va travailler avec eux dans le think tank, en fait. Pas complètement dans le laboratoire, mais au moins dans un premier temps dans le think tank. Et ça nous semble extrêmement important qu'ils comprennent avec nous ces technologies. On voit que la FCA en Angleterre, qui est l'équivalent de l'AMF, a monté un laboratoire et fait des expérimentations. C'est très bien que les régulateurs français commencent à comprendre le sujet et à rentrer dedans par ce biais-là. Voilà, donc notre initiative, elle se veut une grande expérimentation
pour une technologie qui est en fait encore en expérimentation, et ça je pense qu'il faut être clair, c'est pas du tout une technologie qui a atteint son échelle industrielle, elle se veut collective, collaborative, et je pense qu'on est très heureux, il y en a pas mal dans la salle que je vois de mes yeux, de travailler ensemble et d'arriver à faire travailler ensemble toutes ces entreprises qui sont souvent concurrentes, que ce soit bancaire, assurance, ou même parfois certaines des start-up avec lesquelles on travaille. Alors, je vais passer la parole alors, à la salle. Dans les premières questions, on va avoir trois séances de questions en fonction des séquences de la table ronde, des bibliques. Une question pour 2 minutes. Enfin, une ou deux, ça dépend de... Si vous n'avez pas de questions, ça veut dire soit que vous avez tout compris, ce qui est très inquiétant, soit que vous dormez, ce qui est compréhensible, soit que vous vous ennuyez, ce qui est très inquiétant là aussi. Mais à ce moment-là, on va rattraper le temps. C'est un sens ? Oui. Moi j'ai une question, je suis représentant d'un département de l'Atlantique. Et ce que je pose, c'est est-ce que ce dont on parle, ça ne concerne que les grands groupes et que les décideurs au niveau national. Alors, on a eu effectivement une petite approche tout à l'heure sur les initiatives locales. Mais est-ce que le blockchain est assimilable par les communautés locales et peut servir également à l'activité de développement local avec les services locaux que représentent les départements notamment? C'est pas évident avec vous, on a entendu cet après-midi, qui se voit dans des atmosphères assez hautes. Alors, en fait, nous, on a été contactés par une association de communes sur le sujet. On a échangé sur nos travaux avec la direction du réseau des territoires chez nous et d'investissement local qui s'intéresse au sujet. Donc, je ne l'ai pas dit ici parce que je vais parler d'initiative de place, mais à la Caisse des dépôts, on a monté au niveau groupe. Et notamment avec Transdev qui se trouve derrière vous et d'autres comme ICAD, une communauté qu'on a appelée Block CD Chain. Notre idée, c'est de travailler pas uniquement sur les cas d'usage sur la finance, l'assurance et la banque. On va également le faire sur d'autres sujets. Et il est très probable qu'effectivement, il y a des points qui peuvent intéresser au niveau local et pas uniquement au niveau national. Il y a le responsable du numérique de la collectivité de Rouen, je ne sais pas s'il est dans la salle, mais je suis très intéressée également sur le sujet. Donc on pense qu'il y a des choses à faire. Pour l'instant, on est assez concentré sur l'initiative parce que ça prend beaucoup d'énergie, mais effectivement, il y a d'autres choses. Moi, j'ai une question concernant la pérennité de tout ce qui pourrait être mis en œuvre sur le plan de la blockchain. Soit dans le cadre évidemment d'initiatives de place, soit de manière plus générale par les acteurs économiques, dans la mesure où effectivement on est sur un Bitcoin, enfin une version 0.n, qu'on sort à peine de la version bêta d'Ethereum. Comment est-ce qu'on peut construire dès maintenant des stratégies dans un environnement qui effectivement semble très mouvant et pour lequel se pose toujours la question de l'opposabilité et de la durabilité des transactions? Est-ce que ça fait partie des sujets qui vont être adressés ou est-ce qu'il faut les adresser séparément? Je vais répondre à la question du DSI de la Caisse des dépôts. Et puis je passerai après à Daniel, ça fera le lien. Ouais, j'ai un premier élément de réponse qui est tout simple, qui est tout humble, c'est qu'on n'en sait rien. Mais de la même manière qu'à mon avis, dans les années 1970, assez peu de gens en dehors de Winton Cerf et quelques-uns de ses camarades de jeu n'avaient la moindre idée de savoir si le protocole TCP/IP en l'état serait capable de servir 7 milliards d'humains et par quels moyens on y arriverait. Et de la même manière qu'un grand monsieur à côté duquel j'ai l'honneur de dîner il y a 3 ans, qui est Bob Metcalf, l'inventeur du protocole Ethernet, n'avait absolument pas la moindre idée, quand ça a été inventé il y a 40 ans, que le format physique du câble qu'il avait mis au point, serait capable d'encaisser les montées en débit phénoménales qu'on a connues ces 40 dernières années. On n'en sait rien. Et donc la question, c'est précisément d'y aller avec agilité, humilité et prudence, et de trouver la combinaison idéale des trois, mais en s'empêchant surtout pas d'agir, parce que c'est la meilleure, ne pas agir est le meilleur moyen de se planter, à mon avis, sur le sujet. Donc je vais passer la parole à Daniel Hogot.
que je ne présenterai qu'une chose de lui, puisque le reste est sur les slides, et j'ai trouvé ça trop beau quand même. Il est chef de l'équipe Grace. Je trouve que ça a une résonance assez esthétique et assez aérienne. Je ne sais pas si la première est développée là. Ça veut dire géométrie, arithmétique et algorithms for coding and inclusion. Et Daniel va éclairer les questions qui tournent autour de la cryptographie et les contresens d'ailleurs qu'on fait sur le sujet. Et voilà, ma première question c'était, on entend souvent parler de chiffrement, de cryptographie dans la blockchain. Est-ce qu'il ne serait pas temps de remettre les pendules à l'heure? Oui, avant l'équipe Grace, parce que c'est bien donc on est une femme, donc c'est vrai qu'elle trouve cet acronyme pour l'équipe, donc c'est assez sympa. Donc oui, la cryptographie, alors moi je suis scientifique, donc je vais peut-être vous fatiguer un peu, deux, trois instants sur ce que c'est que la cryptologie, déjà. Donc on dit que c'est des crypto-monnaies. Alors, en fait, la cryptologie, donc logos, savoir, crypto, la crypto, c'est caché, n'a pas entendu Internet, n'a pas entendu la Première Guerre mondiale, n'a pas entendu, enfin bref, donc c'est aussi vieux que l'humanité, enfin l'écriture, on va dire. Donc, par exemple, vous avez le grand chiffre 2014, d'accord. Et par rapport à ce que j'entends, qui fait très mal aux oreilles et qui est un bon distingueur pour savoir si les gens sont intéressés un peu à la cryptologie ou non, c'est pas le grand cryptage de 2014, c'est le grand chiffre, d'accord. Donc on chiffre, on fait un chiffrement. Le cryptage n'a pas de sens en crypto. C'est pas que je suis contre le monologisme, je suis prêt à accepter qu'il y ait des changements, qu'on change des trucs, d'accord. Mais le cryptage n'a pas de sens. Donc voilà, donc, mais ça va, j'ai pas trop entendu crypter. J'ai entendu crypter à un moment, mais bon, crypter aussi, ça veut pas dire. Je peux vous dire pourquoi en deux minutes, c'est assez rigolo comme histoire, mais bon, voilà. Alors, donc, il y a eu César, le grand chiffre, les lois de Kharkov qui imposent la transparence dans le chiffrement. Les lois de Kharkov, c'est 1870, et que les seuls secrets doivent résister dans les quantités secrètes qui sont les clés secrètes. Bon, l'histoire d'Enigma. Et donc, cette espèce de Big Bang. Que la cryptographie a été publique. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. C'est un algorithme, alors ça fait peur, c'est le terminal qui disait qu'il faut la transparence de l'algorithme. Une classe de terminal, un schéma, le prof le prend facilement, ce que c'est que la cryptographie a été publique. Voilà, c'est pas méchant. C'est pas méchant. Des entiers, des multiplications. Voilà. Mais voilà, c'est juste un problème de littératie scientifique et numérique. Voilà. Alors, la cryptologie, donc, le logos, il y a deux sous-disciplines, la cryptographie, donc on va concevoir des systèmes de chiffrement, et la crypto-analyse, et on va les analyser et voir s'ils sont faibles. Alors, j'ai eu plusieurs effets de Wahoo, là, c'est Jacques Favier qui a fait l'effet Wahoo, donc quand j'étais étudiant en 89, en BEA, bon, je vois la cryptologie, surtout, là, en fait, on a fait surtout la cryptographie qui est un peu plus facile. Et donc, l'effet Wahoo, c'est la signature électronique, le chiffrement de la vie publique, etc. Bon. Et effectivement, en essayant de comprendre le Bitcoin, là, et puis bon, la crypto-monnaie, il y a un effet waouh. Alors il est plus difficile, surtout quand j'essaie de comprendre il y a 3-4 ans, parce que c'était pas bien expliqué. Donc l'effet waouh, c'est waouh, waouh, waouh. Donc voilà. Alors l'effet waouh est tempéré par mon expérience en cryptologie, c'est que, donc il y a la cryptographie, la conception, et la cryptanalyse. Et la cryptanalyse, c'est ce que vous pouvez appeler l'attaque. Des fois, c'est une vraie attaque, des fois, c'est une attaque théorique qui va dire bon, le système n'est pas aussi résistant qu'on le pense, c'est-à-dire infaillible, mais il est quand même très résistant. Et par exemple, personne ne va arriver à casser, sauf la NSA. À part la NSA, personne d'autre n'arrivera. Voilà. Donc, il est très, très résistant, quand même. Donc, voilà. Alors, mon expérience par rapport à ça, à la cryptanalyse, c'est que donc, le R de RSA, donc, c'est Rivas, Shamir, Adelman, M. Rivest, donc, ils ont écrit un papier, ils ont fait le truc, paraît-il qu'ils avaient voulu sur là, ils ont dit RSA 512-bit, si vous prenez 512-bit, voilà. Donc, il faudra autant d'atomes que l'univers pour le casser. Je pense qu'on a dû le faire souvent, autant d'atomes que l'univers. Bon, RSA 512-bit a gentiment été cassé en 1991 par des académiques, et maintenant se fait de matière routinière sur le cloud d'Amazon en quelques heures pour un coût de 70$. Donc, en fait, la cryptanalyse progresse. Et donc, hier, M. Rivest a proposé. Le sondage charge cryptographique, MD5, qui a été cassé. SHA-0 a été proposé par la NSA. A été proposé. La NSA dit non, c'est. Je vais modifier un petit peu. Là, dans l'algorithme, on fait une variante, ça va être SHA-1. Bon, SHA-1 a été cassé il y a quelques mois. Voilà, donc par rapport à la question de la longévité de la cryptographie, la cryptographie est un cimetière, en fait, d'algorithmes cassés.
et les algorithmes avec les publics utilisés de manière industrielle. Dans le SHTTPS, il n'y en a que 3. Et si l'ordinateur quantique vient, et il y a beaucoup d'argent qui est investi dans l'ordinateur quantique, ces 3 algorithmes s'effondrent. Et moi, je suis impliqué dans un projet qui s'appelle PQ Crypto, c'est le post-quantum crypto, en français, ça passe pas bien. On est censé faire la cryptographie, c'est un projet européen, d'après l'ordinateur quantique, et alors, ceux qui ont réalisé le projet, ils ont fait, faut que ça passe sous la Commission européenne, ils ont mis la crypto pendant 50 ans. En fait, ça me fait bien rigoler, la crypto pendant 50 ans. On ne sait pas du tout, quoi, c'est la force de la technologie depuis 50 ans. Donc, il y a non seulement un progrès technologique, et le génie nous-mêmes. Voilà, donc la cryptanalyse progresse, mais la cryptographie aussi progresse. Donc oui, donc la pérennité, alors bon, je ne vais pas paniquer les gens, hein, pour mettre tranquille sur la blockchain, je pense pas que ça va se casser comme ça du jour au lendemain, etc. Mais c'est une vraie question, si on parle de notariat, moi j'ai récupéré pour un tâche personnelle les documents d'il y a 40 ans dans un tiroir d'une vieille commode chez mes parents. Voilà, 40 ans dans la blockchain, avec, en plus les algorithmes sont gardés en dur, c'est cobaltique 256, c'est chat 256. Quand on voit le mal qu'ils ont pour passer de 1 mégaoctet à 2 mégaoctets, qui n'est pas grand-chose en fait, c'est difficile, alors changer la cryptographie sous-jacente, je pense que ça va poser. Voilà, donc là j'ai parlé de la cryptographie sous-jacente. Daniel, merci beaucoup. On aurait dû intituler cette séquence le bureau des secrets perdus pour ceux qui sont des fans du bouquin. Et je crois que maintenant on a une question qui est plus business. Sur comment créer de la valeur en France, jusqu'à une 16 de Benzer, vous êtes président de Croissance Plus, vous êtes aussi un de nos partenaires. Au-delà de ce qu'on entend souvent et qu'on a entendu pas mal en fait aujourd'hui sur la disparition d'un certain nombre d'acteurs dans une promesse de désintermédiation, quels sont selon vous les domaines en fait sur lesquels on pourrait avoir la création de valeur et où est-ce qu'elle est possible? Merci. Alors, nous, pourquoi on s'est intéressé à blockchain? Parce que en tant que Croissance Plus, ce qui nous intéresse, c'est les outils effectivement d'accélération de notre croissance, de développement économique. Et donc on s'intéresse à ces nouvelles révolutions qui apparaissent, d'abord pour essayer de comprendre les impacts, et il y a beaucoup d'inquiétudes qui s'expriment, et puis voir comment au contraire on peut les transformer en opportunités. Donc on s'est lancé il y a quelques mois dans la réflexion de ce que pourraient être ces nouvelles technologies et ces nouveaux usages qui sont en train de se déployer. Alors, d'abord, il y a une chose qui est évidente, c'est que d'une façon ou d'une autre, cette décentralisation, et ça a été une des questions de la salle, elle est en train de se diffuser, de se déployer, et on ne reviendra pas en arrière. On peut discuter de comment ça va se faire, à quel rythme ça va se faire, comment les publics vont s'approprier ces nouveaux usages et ces nouvelles technologies, mais ce qui est certain, c'est que cette tendance de fond, elle est là, elle est multiple, et on voit bien qu'aujourd'hui, la création de richesse se fait au plus près du public, au plus près des entreprises, au plus près des ménages, et donc tous les outils qui permettent de faire sortir du monde académique, des grandes entreprises, de la R&D, tout ce qui permet de se rapprocher au plus près des initiatives individuelles, des initiatives de la créativité incroyable qu'il y a dans toutes ces initiatives, eh bien, elles sont utilisées, elles sont poussées. Donc, je crois que vraiment, c'est intéressant cette initiative de place, c'est intéressant de se poser la question parce que, d'une façon ou d'une autre, la désintermédiation des services financiers, mais aussi du cadastre, on a vu les exemples dans le petit film qui sont très parlants, ça sera un outil qui va être pris par toutes ces idées et qui va être déployé, et il faut effectivement être en mesure de maîtriser. Nous, Croissance Plus, on s'intéresse à la phase scale-up, c'est-à-dire c'est bien qu'il y ait des start-up, et c'est formidable parce qu'il y a besoin de cette étincelle,
Mais après, comment on passe à la vitesse supérieure et comment on fait en sorte que notre économie profite de ces étincelles pour faire les grandes initiatives, les grands feux. Alors, moi je suis un tout petit peu moins optimiste que vous, parce que je trouve que notre culture... Alors, on a un atout, c'est que justement, nous, on a un socle très solide. Donc, on aspire moins à cette décentralisation, à cette désintermédiation que des zones où, justement, il y a beaucoup plus de flou dans le cadre juridique, et il y a beaucoup d'endroits du monde où c'est beaucoup plus chaotique que chez nous. Donc, c'est pas un atout, finalement. C'est un atout. Aujourd'hui, ça a été un atout, et ça pourrait devenir un des freins. C'est que culturellement, et j'ai eu l'occasion de rencontrer un certain nombre d'administrations, ils n'arrivent pas à imaginer un monde qu'ils ne contrôleraient pas eux-mêmes ou avec leurs amis. C'est culturellement impossible. Même des gens brillants, même des gens qui ont fait Polytechnique. Alors, vous voyez. Hein, donc on voit qu'il y a une révolution culturelle à faire dans notre pays centralisé, colbertiste, une révolution majeure. Et on a beaucoup de travail de ce point de vue-là. Voilà. Donc, je ne me rends pas du tout pessimiste, mais ce qui est sûr, c'est que. Voilà, un, ça va ça y aller, deux, on en a besoin, trois, c'est un levier de création de déchets très important, il faut en avoir conscience, et puis, il faut justement que nos initiatives communes avancent, en tâtonnant, certes, mais avancent. Merci. J'avais une deuxième question, vous avez un petit peu répondu, et je comprends que vous êtes moins optimiste qu'on puisse l'être. Au-delà du point culturel, est-ce que vous ne pensez pas quand même qu'on a des atouts pour tirer de notre impact du jeu, même au-delà des startups, c'est-à-dire que effectivement il peut y avoir des développements au niveau des startups, mais est-ce que au-delà des startups, on a des entreprises plus grandes, on peut aussi arriver à attirer notre impact du jeu là-dessus en France autour de ces technologies? Non, mais bien sûr qu'on a des atouts, on a justement cette immense compétence technologique, on a des centres de recherche qui sont reconnus comme les meilleurs du monde, parmi les meilleurs du monde, on a une intelligence collective en France qui est extraordinaire, c'est un atout. De temps en temps, je dis et je répète, et je ne suis pas le seul loin de là, que cet atout, il s'amenuise, donc il ne faut pas perdre de temps, hein. Mais bien sûr, on a des atouts. Il n'empêche que, il va falloir qu'on lutte contre, finalement, nos atouts actuels, notre cadre, il va falloir qu'on lutte contre une tradition très centralisée, c'est un fait, mais on a un immense atout qui est notre puissance de recherche, nos cerveaux, on a nos grandes entreprises, on a des grandes banques, on a parmi les plus grands utilisateurs potentiels de tous ces outils, donc on a énormément d'atouts, bien sûr, vous avez raison, il ne faut pas perdre de vue qu'on a des atouts et qu'on doit rentrer à fond dans cette bataille, parce que c'est une bataille économique. Et la désintermédiation, elle inquiète beaucoup, je le disais tout à l'heure, et je crois que c'est partagé, mais si on prend du recul, on s'aperçoit que simplement ça va faire baisser les coûts de production de beaucoup d'industries, de beaucoup d'administrations, et quand vous faites baisser les coûts de production, vous créez de la richesse, et donc en créant la richesse, vous développez l'économie. Donc le cadre global, il est sans aucun doute un élément de création de richesse, un élément de compétitivité, nécessaire à appréhender, parce que si on ne prend pas à notre compte, eh bien, on perdra de la compétitivité, mais voilà, c'est nécessaire, c'est indispensable, et c'est parfaitement, vous avez tout à fait raison de le dire, les moyens scientifiques de taper. Et franchement, s'il s'agit de parler de la NSA, on n'a pas arrêté de téléphoner parce que la NSA est capable d'écouter nos conversations. Donc ne nous arrêtons pas de développer ces moyens d'intermédiation parce qu'effectivement, il y a quelques centres malfaisants sur Internet. Merci Stanislas. Je vais passer la main à Philippe pour une séquence sur ce que c'est une nouvelle frontière informatique, la technologie blockchain. J'ai le plaisir de poser cette question à Bernard Duverneuil, qui représente le CIGREF. J'imagine que pour un DSI, dans une organisation assez centralisée qui fait tourner des applicatifs historiques et qui maintient de la concurrence un peu dans tous les sens, le fait de voir émerger du code
un peu partout de manière horizontale doit être assez déroutante. Donc ma question, c'était comment est-ce que vous envisagez de résoudre, vous et vos adhérents, la tension entre cette centralisation historique du métier de DSI et l'approche très décentralisée du développement et du déploiement de la blockchain. Bonjour, je pense que ça fait une bonne transition avec ce qui vient d'être dit et les grandes entreprises, parce que pour ceux qui ne le savent pas ici, le CIGREF, c'est une association d'entreprises dont ils ont 120 membres, les plus grandes entreprises et administrations de France, qui a une ambition, c'est de développer et même réussir le numérique. C'est ce qu'on s'est fixé pour l'horizon 2020. Par contre, du constat que l'économie française, aujourd'hui, avait des atouts en matière de numérique. On a la French Tech, on a des startups, on a des talents, des bonnes écoles, des bonnes formations, y compris pour le crypto. Les grandes entreprises, nous en sommes convaincus, doivent jouer un rôle extrêmement important dans la réussite de ce numérique pour le pays. Partant de là, notre constat sur les technologies en général et la blockchain en est une émergente pour nous, c'est qu'on doit appréhender ces technologies, les mettre en œuvre bien évidemment pour le bénéfice. On a vu quelques exemples d'opportunités pour les entreprises, les grandes entreprises. Ça peut être vécu comme des ruptures importantes. La désintermédiation, c'est quelque chose qui peut faire peur dans certains secteurs. Et je dois dire qu'au sein du CIGREF, les entreprises membres commencent à s'approprier le sujet. Bien évidemment, dans les secteurs qui sont plus naturellement exposés, donc quand ça a commencé avec le Bitcoin, c'est plutôt la partie financière, assurance qui aujourd'hui est le plus impliquée sur le sujet. Mais petit à petit, toutes les industries, tous les secteurs sont intéressés. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que toutes les entreprises membres qui se sont emparés du sujet sont convaincus qu'il s'agit là d'une rupture importante et qu'il est grand temps de s'en préoccuper. Donc ça, c'est le premier constat pour les grandes entreprises. Un point très, très essentiel, on l'a mentionné dès le départ de ce colloque, c'est la confiance. Et si je regarde le principe de confiance dans les grandes entreprises, on a une difficulté avec la blockchain qui est sa désincarnation quelque part. Avoir une confiance dans un algorithme, c'est relativement compliqué. On va avoir néanmoins besoin d'une identification des responsabilités pour avoir un partage de responsabilités, éventuellement une délégation de responsabilités. Et par conséquent, les grandes entreprises regardent ces technologies à la fois avec envie s'il s'agit de créer des opportunités, mais aussi avec un peu d'inquiétude sur la façon dont l'écosystème va pouvoir s'organiser autour de ces technologies. Donc le principal enjeu pour les grandes entreprises à ce stade, au-delà de la compréhension d'un algorithme qui n'est pas forcément si simple pour tout le monde, c'est de pouvoir s'appuyer sur des acteurs en qui les grandes entreprises pourront avoir confiance. Parce que ça ne suffira pas d'avoir confiance dans l'algorithme. Probablement, beaucoup d'experts dans nos grandes entreprises pourront dire c'est fiable, c'est sûr, vous pouvez y aller. En revanche, est-ce qu'on a la capacité dans les grandes entreprises de développer ces compétences et de les introduire dans l'entreprise sans aide extérieure et donc un niveau de confiance avec les startups? Je pense que là, on a un vrai enjeu de concrètement travailler ensemble entre start-up et grandes entreprises. On l'a beaucoup dit dans notre plan stratégique CIGREF 2020, mais voilà un exemple concret au-delà des grandes phrases et des grandes idées sur la collaboration entre chefs d'entreprise, start-up et grandes entreprises. Voilà un exemple concret et je pense que ça va se développer de cette façon. Voilà. Merci Bernard, sans jeu de mots. Comme on est pressé par le temps, on va passer à celle dont vous attendez l'intervention. Qui d'entre vous a déjà regardé les interventions de Primavera sur TED? Primavera. Primavera, on a une question pour vous, c'est un renouveau de l'esprit des lois, parce qu'on est en France. Donc, jusqu'où pensez la blockchain?
l'organisation autonome décentralisée est-elle simplement, seulement une utopie libertaire ou peut-elle réellement refonder les sociétés? Si oui, comment? Okay. Et donc, tout d'abord, pour commencer, je voudrais répondre en disant qu'en fait, les organisations autonomes décentralisées, ça existe déjà. Et en fait, on en a un exemple concret, c'est Bitcoin. Donc, Bitcoin, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est un système complètement décentralisé qui opère de façon complètement autonome et indépendante. Et donc, d'une certaine façon, on peut le considérer comme une organisation qui s'entête, dont les règles de fonctionnement de l'organisation, dans la constitution de l'organisation, sont régies directement et exclusivement par la technologie sous-jacente. Et cette organisation a aussi la capacité de rémunérer les individus qui vont participer, qui contribuent donc à maintenir la sécurité du réseau ou qui vont invalider les transactions. Donc, Bitcoin, d'une certaine façon, c'est peut-être le premier exemple, mais il y a en fait d'autres exemples peut-être de portée plus limitée de ce type de nouvelle organisation autonome décentralisée. C'est le cas, par exemple, donc, des casinos ou des jeux d'hasard qui ont été implémentés sur le blockchain. Il y a des systèmes d'échange décentralisés, les marchés de prédiction pair à pair, etc. Donc en fait, il s'agit toujours ici d'applications qui sont exécutées de façon décentralisée et qui ne résident sur aucun serveur. Donc l'avantage, c'est que personne n'a la capacité en fait, de modifier l'exécution de ces applications, qui est effectivement garantie par la technologie. Et le problème, bah, c'est que personne en fait, n'est tenu responsable pour ces applications, pour le meilleur ou pour le pire. Donc cela, bien sûr, comporte d'importants enjeux juridiques, notamment en ce qui concerne donc, la transnationalité, puisque ces applications ne résident en aucune juridiction, et elles peuvent donc être créées, développées, de façon à ignorer les règles du droit. Et puisque la plupart de ces applications, en tout cas jusqu'à présent, sont développées de façon pseudonyme, il est souvent très difficile d'identifier qui sont les individus qui vont contribuer à ces applications ou qui vont bénéficier de leurs services. Et donc, étant donné l'absence d'un opérateur centralisé, en fait, il devient extrêmement difficile de réguler ces organisations. Et donc le Bitcoin, c'est probablement l'exemple le plus emblématique, puisque effectivement il soulève de très importants défis juridiques en ce qui concerne la question de la taxation, du blanchiment d'argent, plus en général donc la protection des consommateurs. Mais en fait, comme sur Internet, il est pratiquement impossible en fait, d'éliminer toute utilisation illicite d'une technologie. Mais même si les États ne peuvent pas stopper l'utilisation de cette technologie, donc on ne peut pas être pour ou contre le blockchain, ils peuvent cependant la réglementer, en régler le développement et donc indirectement l'adoption. Donc en fait, c'est en fait ce manque de régulabilité qui risque, en fin de compte, de limiter l'adoption de ces technologies. Donc on parle beaucoup aujourd'hui de ces technologies qui sont trustless, donc qui éliminent complètement le besoin de confiance. Le problème, c'est que si on regarde pour la plupart des interactions, notamment lorsqu'on a affaire avec des relations humaines, des interactions sociales, en fait, la confiance, ce n'est pas quelque chose que l'on veut s'en débarrasser. Au contraire, c'est ce qui régit la plupart de nos interactions avec des êtres humains ou avec des organisations. Et en fait, cette confiance, ce type de confiance relationnelle, ne peut pas être remplacée par une technologie comme le blockchain. Et donc, si le blockchain va effectivement modifier la structure de la société, c'est probablement pas grâce à la création de ces organisations autonomes décentralisées qui éliminent complètement le besoin et l'existence de confiance, mais c'est plutôt par l'utilisation de cette technologie afin de modifier la forme et la structure de ces organisations. Donc le blockchain fournit de nombreuses opportunités en ce qui concerne notamment l'optimisation et l'automatisation des fonctions. Elle fournit une plus grande transparence, traçabilité et une plus grande vérifiabilité des opérations, aussi bien internes qu'externes aux organisations, et elle réduit les possibilités de manipulation et de corruption des données. Le blockchain aussi permet la création de nouvelles formes d'organisation qui sont beaucoup plus flexibles et plus agiles et qui peuvent donc s'adapter plus facilement aux modifications de leur environnement. Donc, normalement, dans des organisations traditionnelles hiérarchiques, les prises de décision, elles se font souvent tout en haut de la pyramide, de façon bureaucratique et formalisée.
Avec le blockchain, en fait, on peut, la prise de décision devient beaucoup plus décentralisée. Et l'intelligence, en fait, se déplace donc au bord des organisations plutôt d'être concentrée à son centre. Et donc, on assiste, grâce à cette technologie, à l'émergence de nouveaux systèmes de gouvernance qui sont beaucoup plus distribués, qui sont fondés sur la notion de régulation technique et de consentement distribué, et qui permettent donc l'émergence de nouvelles formes d'organisation, mais qui ne sont pas des organisations qui vont éliminer ou remplacer les institutions que l'on connaît aujourd'hui, mais plutôt des organisations qui vont, ou une technologie qui permet de moderniser les organisations et les institutions actuelles, donc à les préparer à ce qui va venir dans le futur. Et vous avez récemment écrit pour une tribune pour Wired, où vous avez expliqué qu'on comprenait, qu'un blockchain devait être régulé, mais que pour l'instant on ne comprenait pas grand-chose. Est-ce que vous pouvez nous éclairer, est-ce que vous avez des clés sur comment la régulation peut être agile, apprenante et respectueuse du caractère horizontal même de cette plateforme technologique? Oui. Donc en fait, le problème essentiel, c'est tout simplement que le blockchain est une technologie qui actuellement n'est pas comprise, n'est pas appréhendée par le système juridique actuel. Dans ce sens, j'utilise souvent l'analogie, la métaphore d'une ornithorynque. C'est-à-dire que le blockchain, c'est cette technologie qui, en fait, c'est une créature nouvelle qu'on ne connaît pas, qu'on ne comprend pas très bien, qui ne ressemble à rien que l'on connaît déjà, mais en fait, qui peut être d'une certaine façon assimilée ou caractérisée à plusieurs choses que l'on connaît. Donc, effectivement, on peut la considérer comme une monnaie, avec le cas de Bitcoin. On peut la considérer comme une plateforme qui permet l'échange de titres ou d'actions et donc être réglementée de ce côté, ou bien tout simplement comme un bien à valeur ajoutée, etc. Et donc en fait, le problème, c'est que d'un côté, c'est cette nouvelle technologie qui est incompréhensible, et d'un autre côté, les opérateurs qui opèrent donc, dans l'écosystème de blockchain sont réglementés, sont soumis à de nombreuses réglementations existantes qui étaient en fait conçues pour des milieux complètement différents. Et ça, cela rend extrêmement difficile donc, le développement de l'application et surtout la commercialisation de ces applications. Donc, comment est-ce qu'on peut réguler donc, cette technologie? Donc, je pense que tout d'abord, c'est extrêmement important de reconnaître la généralité de la technologie du blockchain, qui en fait est une source d'innovation horizontale et qui donc ne doit pas être régulée en prenant compte uniquement d'une application verticale, telle que notamment donc, le cas de Bitcoin, au risque en fait de limiter l'émergence et le développement de nouvelles applications qui n'existent pas aujourd'hui. Ensuite, il y a besoin d'une régulation qui soit plus informée, donc il faut vraiment un effort de pédagogie. Il est nécessaire de prendre du recul et d'observer cette technologie donc, dans une perspective plus large, et surtout de lui laisser le temps d'évoluer et de se développer avant d'en réguler les fonctionnalités. Et enfin, je pense un élément extrêmement important, c'est qu'il faut considérer en quoi cette nouvelle technologie peut en fait servir comme un support au cadre juridique actuel et se présente donc non pas seulement comme un ennemi, mais aussi et surtout comme un outil de régulation au service du droit. Et donc, bien que cette technologie soit effectivement difficile à réguler dans le cadre des réseaux décentralisés tels que Bitcoin, en fait, il faut se rappeler qu'elle peut aussi être utilisée comme un outil de régulation qui va permettre d'optimiser et de faciliter l'application du droit. Et donc, pour conclure, juste, je vais dire, pour la question entre l'innovation et la régulation, en fait, il y a une sorte de contradiction, puisque, en fait, la régulation est vraiment est faite pour créer des règles, et l'innovation, par définition, elle est là pour innover au-delà de ces règles. Donc, si on veut permettre cette innovation de continuer et de se développer, il faut attendre avant de la régler. Merci, Primavera, merci à tous nos intervenants.